stessa certezza, quella di dare tutto quello che abbiamo detto. E vedete che la Valle d'Aosta ha un grande cuore, una grande voglia di fare. Voi, les athlètes, vous avez sûrement une certitude dans le cœur, celle de faire le mieux possible. C'est la même certitude qu'on a nous dans notre cœur. L'envie, la volonté de faire le mieux possible, de donner tout ce qu'on a dans le cœur. Bon voyage donc, on va débuter dans cette conférence de presse. It's with all their hearts, the athletes will give their very best to this race. So too will the Oster Valley. It will do the same. And so we welcome this press conference and the opening of it today. 1200 volontari, 34 comuni, una Valle d'Aosta che sogna, che si appresta a vivere questo magnifico viaggio. Abbiamo qui con noi il sindaco di Courmayeur, che è sede della partenza del traguardo della Tour de Géant. J'ai le plaisir de vous annoncer, je donne la parole au maire de Courmayeur, 34 communes sur le parcours, une Valle d'Aosta qui court avec vous, avec enthousiasme, avec le cœur. Si parte, finalmente si parte, possiamo dire, ci siamo. Finalmente si parte, credo che sia un evento che tutta la Valle d'Aosta aspetta, attraverso questi comuni, attraverso la Valle d'Aosta, dove si mette in movimento qualcosa di molto speciale e di emozionante in questi comuni, in questi territori, con i volontari, e direi che sta crescendo piano piano un tormania, perché proprio anche tra tutti i residenti, oltre a chi viene nella nostra valle percorrere, c'è davvero questa grande attesa e questo grande entusiasmo per questa gara. Donc en français, c'est sûrement un événement très important même pour les petites communes de la Valle d'Aoste, pour toute la Valle d'Aoste, et en particulier il y a beaucoup, on attend toute l'année cette manifestation qui va toucher les personnes dans le cœur. Donc c'est pas seulement pour les coureurs, mais c'est vraiment un changement de pays dans la semaine du Tour des Géants. Et ça, c'est vraiment très important. On peut dire qu'année après année, il y a toujours une petite tormenia qui avance dans le cœur des Val d'Auterre et des citoyens. Voilà.